Bon, Benoît, on ouvre les yeux. On dirait que le mec, il est vivant. Ah! Que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Surgeon Simulator. Donc, non pas avec Monsieur Martin, mais avec d'autres personnages qu'on a pu connaître, mais avec le fils de Monsieur Martin, c'est-à-dire le petit Benoît. Le petit Benoît a besoin, est aveugle depuis sa naissance, malheureusement, et a besoin d'une greffe des yeux pour retrouver la vue de nouveau, puisque c'est possible. Je suis le médecin maintenant le plus réputé, autant bien de la stratosphère que Mars, que Jupiter et tout ce que tu veux. Donc du coup, on va s'occuper du petit Benoît, on va aller l'opérer. Donc on va cliquer, et je suis très content. Comment on lance maintenant les opérations? Ah, comment c'est l'opération? C'est vrai, autant pour moi. Je suis très contente que l'épisode sur Donald Trump vous ait plu, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, on va aller opérer le petit Benoît. Je n'ai jamais, alors on l'avait lancé la fois dernière, je n'ai pas testé rien du tout. Je n'ai jamais fait d'opération pour les yeux. C'est tout, voilà. Donc je sens que ça va être une catastrophe. Bon, coucou Benoît, comment tu vas? Donc voilà, moi ça va. Oh là, il y a les yeux qui partent. Ah là là, tu vois que c'est une opération des yeux tels. Et juste le fait... Attends, faut déjà enlever ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment... Ah là, quand je le touche depuis le bas, il pète. Écoutez, on... Regarde-moi. Ah bah non, je fais tomber. Il y en a combien là-dedans? Ah non, il y en a plusieurs, ça va. Ah, j'ai fait tomber des yeux déjà. Oh là là, c'est une catastrophe. Je panique. Je crois que je l'ai très rarement dit, non. Mais juste... Juste ça, j'en chie. Oh, je l'ai mis dans la gueule. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. C'est bon. Je déteste parce que tout est comme... Tout est... Ah, mes doigts! Oh non! Ah là par contre ça va être chaud. Bon bah on va lever la tête de Benoît. Wouah, comment je vais faire pour que... Oh sans déconner. Eh, je suis pas bien. Je déteste les trucs quand tu dois enlever des yeux et des... Je déteste ça. Là, on m'a... Alors, je vous avais posé la fois dernière la question à quoi sert ce petit objet. Vous m'avez dit qu'apparemment ça servait à aspirer l'œil. Donc là on va tester. Est-ce qu'il ouvre les yeux de temps en temps ou pas? Ouais, c'est à moi de me débrouiller. Oh, attends, c'est pas les... Ça, les... Vous savez, les ciseaux qu'on utilise en chirurgie, justement, pour lever, genre, la paupière ou les... Pff. Bon, bah, c'est parti, écoutez. Bon, c'est pas un métier facile, je le sais. J'ai pris des risques, je sais. J'ai travaillé durement pour ça. Je le sais très bien. Ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Un seul me suffit. Ça n'a pas marché du tout. Bon, on va tenter un autre truc. Merde, j'ai rasé le sourcil. Mais c'est pas du tout ça, c'est pour raser ça, votre truc, là. Vous dites... sans déconner, comment je suis censée... Vous dites que vous avez aspiré... Avec ça, ça aspire. Je vois pas comment ça peut aspirer, sans déconner. Mais comment je vais récupérer... Qu'est-ce que c'est que cette soupie? Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est juste un crayon. Ah! Bordel! Ah bah tu m'étonnes qu'il perd du sang, je suis en train de te le planter. Non mais attends, comment on va sortir ça? Alors là, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation... Comment tu sors les yeux? Comment tu vas sortir les yeux? Réfléchis, Kiki, réfléchis. Ça tond, les mecs. Oh, la cuillère. Oh, ça va être chaud, là. Ah, si je fais pas un malaise. C'est le médecin qui va faire un malaise. On va y arriver. Il faut du temps. De toute façon, ça serait trop facile si tout était simple. Dans l'aventure Sir John. Si j'arrivais à tout faire, ça serait bien trop simple. On soit bien d'accord. C'est bon. Alors là, je l'ai bien. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa.
Par contre, faut vraiment qu'il lève la tête parce qu'alors là. Ah là. Ah là 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 là. Concentration. J'y vais. Oh, non mais d'abord, je pense qu'il faut vraiment que je tends la peau, sans déconner. Je peux pas sortir dans la vraie vie, tu peux pas faire comme ça, quoi. Non mais déjà, levez la tête, monsieur. Ah, Benoît, lève la tête, hein. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça du tout. Je pense vraiment qu'il faut que... Oh là 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 là. Mon dieu. Je pense vraiment, sans déconner, qu'il faut que j'écarte en fait les paupières pour lui faire sortir les yeux. Sauf que là, il y a des crayons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les crayons? Enfin, je sais pas. J'ai peur. J'étais persuadée que les ciseaux, c'était vraiment des ciseaux pour... Est-ce qu'on retente? Bah écoutez, on retente. Hein. Ah, mais c'est quoi tout ce sang, là? Oh là 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 là. Bon, les âmes sensibles, là, pour le coup, je pensais pas le dire un jour, mais faites gaffe. En fait, ils ont rajouté le sang. Bon, écoutez, on va y aller au crayon, hein. J'ai envie de vous dire. Voilà. Hop, je renverse tout. Moi, c'est plus facile pour moi. Attendez, j'ai un problème avec les touches, là. Je ne pince plus comme il faut. Toujours le petit doigt en l'air. Très important, ça, quand on travaille. Oh, Benoît, on ouvre les yeux. On dirait que le mec, il est vivant. Ah! Je viens de lui planter dans les yeux, là. Bah, au moins, il fera du dessin. C'est toujours ça de prix. Ah! C'est affreux ce que j'ai fait là. Est-ce que genre je peux les sortir maintenant? Ah, ça y est, ça sort. Oh man. Attendez, je replante dans l'autre. Et voilà, et ça se trouve après. Non. Je l'ai plus. Attendez, donc on tient peut-être un truc, hein. Mais c'est n'importe quoi, tu plantes pas dans la vraie vie avec des bics ou des je sais pas quoi. Ah quoique, vous m'avez dit... Alors attendez, maintenant on va tester ce machin là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, maintenant on va tester avec ça. Voilà. Maintenant qu'il est un peu sorti. Je trouve je pouvais pas en fait le prendre comme ça. Mais je crois que vraiment, sans déconner, vous m'avez raconté des conneries. Parce que ça rase, c'est pas du tout... Un truc pour aspirer un œil. Qu'est-ce que vous m'avez raconté? Vous me racontez des bêtises, hein. Comment vous voulez m'aider? Je peux pas avancer, moi, dans mes... Concentration. Je vais essayer de le sortir. Ah, c'est une de ces merdes! Merde! Les yeux. Non, ça va. Eh, sans mentir. Non, ça veut pas. J'ai jamais été aussi stressée. Jamais. Jamais, vous m'entendez? On va stopper les saignements. On va les stopper. Je vais pas lui foutre un coup de marteau quand même. Merde. Tiens. Oh merde. Oh c'est encore pire. Mince. Me dis pas que maintenant c'est les médicaments. Non c'est la verte. Je sais plus. Je panique. Oh là 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 là, ça me va pas d'arrêter le boulot. Voilà. Non. Voilà. On continue. Voilà. Ouh. Bon, la bleue, surtout pas la prendre. En fait, la bleue, c'est le remède pour moi, mais surtout pas la prendre, sinon. On se concentre. Voilà. On plante encore? C'est affreux. Attendez, je suis concentrée, je sais. Pas n'importe quoi.
1. Ah. Comment... Ah. Si je pars pas en faisant un malaise dans les secondes qui suivent, moi je sais pas comment je vais faire. Faut que je le plante. Oh, je suis pas bien là. Comment j'ai fait ça? En fait, je pense qu'il fallait peut-être juste pincer avec le doigt. Le... Vous voyez, tirer comme... comme un petit bâtonnet avec une olive au bout. Mais on tire le petit bâtonnet pour avoir l'olive. Oh, je sais, mes explications ne sont pas fameuses. Mais moi, vous les comprenez, c'est le principal. Bon. Avant que je commence à dégueuler, je vais déjà couper l'œil. Je pensais pas sortir ça un jour. Je vais couper l'œil. Comment on fait l'ablation? Ah! Tu imagines une opération vraiment comme ça, quoi? Le mec, il bouge l'œil, il s'arrête pas. Oh! Voilà. Oh, je vais vomir. Vous savez que je déteste ça, c'est ma phobie, les gens à qui il manque un œil, genre Carl Walking Dead, quoi. Je supporte pas ça. Ça me... Ouvre les yeux. Une cuillère pour maman, une cuillère pour... Benoît. C'est dégueulasse. Eh, par contre, j'ai une question, comment je vais lui remettre l'œil après? C'est pas avec la cuillère, quand même. Allez, on enfourne. Bon, allez. On tourne, on lève, voilà. Je vais vomir. Attention. Ah, mais il baisse les yeux, c'est affreux. Comment tu veux que je fasse une opération, quoi? Ah! Ah! Voilà. Là, je crois que c'est bon. Donc maintenant, écoute, je vais retenter un truc. Je vais mettre le crayon de nouveau en biais. Et c'est pas l'opération la plus facile. Ce qui est bien, c'est que le crayon, en fait, il lui pique pas. Non mais t'imagines, dans la vraie vie, tu fais ça avec un crayon à papier, mais merde, quoi. Mais merde, l'opération. En fait, je crois que, tu vois, je dois vraiment... Ah, c'est affreux. Mais ça m'étonnerait même pas que c'est même pas les bons outils que je prends, là, depuis tout à l'heure. Parce que ça m'étonnerait que ça soit en vrai avec un crayon à papier que tu fais ça. Il faudra un truc qui fait bloup. Ah. Bon. On y retourne. Oh, la concentration. Laisse tomber. On a du 2 millilitres seconde. On n'a pas le droit de se planter, là. On a du 3 millilitres. Ouais, on a du 3 millilitres. Oh là 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 là. Ah, j'ai envie d'y aller un gros coup, là. Ah non. Oh là là. Voilà. Bon, par contre, là, la seringue. Sans déconner, la seringue. Allez. C'est bon. Bon, déjà, on rappelle que Benoît ne voyait rien de base. Hein. On rappelle. Donc, là, on perd pas grand-chose pour le moment. Non, mais il y a un smiley dedans. What the fuck? Est-ce que j'en ai un? J'en ai un. Ouais. Et comment je vais mettre ça, moi? Mais comment je vais mettre ça? Me dis pas qu'il faut genre que je mette sur la cuillère et une cuillère pour maman, une cuillère pour papa et bim. Attends, on va le poser là. On respire. J'ai besoin de respirer. Mais ça se trouve, je l'ai pas du tout fait comme il fallait, en fait. Je suis sûre qu'il faut écarter les paupières. Tu peux me dis pas qu'en vrai, tu fais une ablation des yeux et tu t'en remets comme ça, quoi. Ah, vous l'avez fait comme? Bah, moi, crée un papier. Ça va tout seul, hein. Allez, Kiki. Voilà. Non, j'ai réussi à le planter? Attends. Tu vas me dire que c'est en le plantant à tout... Voilà, doucement, doucement, doucement. Eh, hey, j'avais réussi à le planter. Ça se trouve, il faut que je le... C'est affreux ce que je veux dire, mais que je le plante. Ouais.
Le truc, c'est une partie de pêche, quoi. Je l'ai. Ouais ! Yes ! Yes ! Yes ! Attention. Non ! Yes. Non ! Merde ! Je l'ai. Oh. Tout a l'air d'aller, va survivre. J'ai réussi. J'ai réussi, au bout de 30 minutes de vidéo, à faire l'ablation et la remise des neneuils de Benoît, qui retrouvera la vue après plusieurs mois et plusieurs mois de rééducation, bien évidemment, parce qu'il faut refaire travailler les petits muscles à l'arrière. Donc vous avez compris, toi derrière ton écran, si tu veux faire une ablation comme ça, bon, attention, à prendre au second degré. Tu prends le crayon à papier, oh, j'en ai pas mal en plus, hein, peut te dire. Tu prends le crayon à papier, tu les fous dans les yeux, tu tires, tu coupes, tu prends un scalpel, tu plantes, tu remets dedans, tu vois. Impeccable. Pire que de la bouche, c'est le truc. Non, sans déconner, c'était totalement random quand je l'ai trouvé à la fin. C'est parce qu'il s'est planté dedans que j'ai compris comment le mettre. Sinon, franchement, j'aurais pas compris. Ou je crois que j'aurais mis longtemps à comprendre. Après, je pense que... Je pense pas qu'il fallait faire avec les crayons à papier, enlever les crayons. Je pense pas que c'était une catastrophe, un truc pareil. Je crois pas que c'était ça, sans déconner. Dès tout de suite, dès... Eh, le principal, c'est que Benoît revoit, c'est tout. Par contre, là, mes amis, c'est la dernière opération. On va aller regarder. C'est quoi ça? Ah. Eh, oh, ça va? Tout de suite, non mais oh. On va regarder ce que ça donne. Allez, on regarde juste ce que ça donne. Et ça, ça sera pour la prochaine vidéo, mes copains. Oh la vache. Ah ça, ça va être chaud, ça. Oh ah ouais, là... Ouais, mais écoutez, moi, je veux bien, mais je suis quoi, moi, au final? Je suis dentiste, je suis chirurgien, je suis maquilleur. Sauf que, quand même, je fais beaucoup de choses et je suis pas assez payé. Est-ce qu'on peut appuyer sur les boutons? Pour tout ce que je fais, hein? Je suis pas assez payé, moi, je trouve. Oh là 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 là, toujours ma bouteille. Mais ça, en fait, c'est juste pour raser, sans déconner, hein. Je suis sûr que c'est pour raser, vous êtes moqué de moi, c'était une tondeuse. Une tondeuse Philips ou Braun ou Wilkinson ou je sais pas quoi. Bon bah écoutez les amis, j'espère en attendant que cette vidéo sur Surgeon Simulator vous aura plu. Il y aura eu des nombres et nombres et nombreuses péripéties pour Benoît. Mais on a réussi finalement, c'est le principal. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et on est d'accord, l'appareil, soi-disant pour tirer les yeux, c'est une tondeuse. On est d'accord. Bon, allez, en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.